blanc, du rouge, c'est la patrouille de France 2022. Durant toute la première partie de la démonstration, tous les équipiers gardent leur regard rivé sur l'avion du leader, celui du commandant Laurent Pina. Il est le maître des trajectoires, le gestionnaire de l'énergie, du ruban et donc le garant de la sécurité de la patrouille. Issu de la très prestigieuse école de l'air et de l'espace qu'il a intégrée suite à ses classes préparatoires aux grandes écoles, il débuta sa carrière sur Mirage F1 avant de rejoindre le régiment de chasse Normandie-Niémen sur Rafale. Il rejoint ensuite la Grande Dame en 2020. Va se glisser entre les autres avions afin de passer de la formation losange à la formation grande flèche. Lui aussi issu de l'école de l'air et de l'espace et pilote de Rafale pendant 7 ans à l'escadron de chasse Lafayette, il a intégré la patrouille cette année. Et pourtant, dès l'année prochaine, ce sera à son tour de devenir leader, impliquant une remise en question permanente et une capacité d'adaptation pour tous les états. Pour guider la patrouille sur le sinueux chemin de l'excellence, il les guidera de sa voix.